Et bonjour tout le monde, c'est Oro, bienvenue pour The Little Geek, épisode 13. On se retrouve avec le Don qui veut refaire un peu de musculation parce qu'il avait perdu en masse musculaire. Enfin ça c'est moi qui dis ça parce que je sais pas, il est venu avec son ami Lucie Fournier, donc qui lui envoyait des textos. Donc on va voir ce qui en découle. Donc Mélina, donc Gis. Vous inquiétez pas, c'est pas une bombe. Mais en tout cas... elle était tombée enceinte, en fait je m'étais trompé de tout, j'avais mis faire avec un bébé, il y a l'air, parce que voilà, elle est enceinte. Mais Don lui a besoin de décompresser, il est pas trop dans la tâche, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, il avait besoin de décompresser, il est venu avec son ami. Et puis ça lui fait du bien, hein. Ça lui a fait reprendre un peu de muscle là, parce que là il était repoussé ses limites. Tu me repousses tes limites. Mais il est parti où ce con? Il est où? Il est où? Hein? Bon bah je pense que j'ai une malédiction. Parce que à chaque fois que je m'en vais à la salle de muscu, ça finit par revenir. En fait il part travailler. Mais dis donc c'est que... Mais tu pues. J'allais l'appeler Emilien, je sais pas pourquoi. Vas-y, va prendre une douche Adrien. Oh là là, mais comment ça se fait qu'il est tout... Il est tout sale, il est tout plat. Qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Dans les vestiaires, donne remarque que je veux refaire. Ouais, bon, il a décidé. Il l'a laissé pour une fois. Enfin, c'est moi qui ai choisi, mais oui, il l'a laissé. Allez, mon petit Adrien, tu peux aller aux toilettes et aller dormir. C'est quand les... On est vendredi. Ouais, bah donc normalement il a pas cours là. Il a pas cours, je vais un peu profiter de mon job. Enfin, de mon job. De mon piratage. Augmenter mes compétences, voilà tout simplement. C'est vrai que le lit là est pas top. On va essayer de gagner plein d'argent. Hop, elle va se divertir, elle va aller peindre. Toile confiante. Allez hop. C'est parti. Oh, c'est tout sale, c'est tout sale. On n'a pas les moyens d'appeler une bonne en plus. Je sais pas comment on va s'en sortir dans cette maison. Allez, plus vite Adrien. Attendez, bon je vais les aider un petit peu parce que je suis gentil. Hop. Ah oh, mais c'est magnifique ça, le Don a eu une promotion. Promu au grade gardien des vestiaires. Bah, ça... Ouais, c'est pas mal. C'est samedi à... Ah bah, il travaille samedi. Bah ça, y a pas de bol. Elle est pas en état. Elle est pas en état du tout. Je vais lui faire manger un repas rapide des céréales. Et elle va aller prendre une bonne douche. Le Don, il va se réveiller, hein. Et il va nettoyer. Parce que sinon, pas de danette au chocolat ce soir. Ah mais il est fatigué, mais il y a un lit. Il a un lit, mais il va pas dedans. C'est illogique. Ah ouais, non mais je peux rien pour vous, moi. Du coup, bah là, elle va regarder la télé. Ça va lui faire un peu monter. Massacre au clair de lune 3. Je sais pas si c'est bon pour le bébé, mais bon. On verra bien. Et pour Adrien, comment il est? Minute 40, ouais. Ah, c'est marrant en fait, c'est con, on accélère la vitesse. C'est quoi son film? Elle se divertit au moins? Ah non, elle a envie de dormir. Elle est à son deuxième trimestre déjà. Troisième trimestre dans 21h, c'est ce que j'ai lu. Ouais, dans 21h, elle est au troisième. C'est rapide, dis donc. Laissez-moi le temps, j'ai pas l'argent et pas l'argent.
Alors, hop, on va manger un repas rapide. Allez, mon petit geek. Donc, vous allez peut-être voir les anciennes affiches qui sont toujours là. Hein. C'est, en même temps, ils doivent changer, logiquement, mais des soucis sont arrivés, du coup, bah, en attente pour le changement. Enfin, on verra bien comment je fais ça. Mais oui, il devrait y avoir des changements d'affiches pour The Little Geek, surtout qu'il est passé à dos, donc bon. J'ai envie de bien montrer l'arc scénaristique des deux, si je puis dire. Allez. Hop, il a gagné 11. Et maintenant, tu vas programmer. Tu vas t'entraîner à programmer ou là, à pirater. Comme si qu'on peut s'entraîner. Voilà. Maintenant, tu vas jouer. Alors, on va jouer à Vive les Sims. Je vais faire un petit peu de divertissement parce que là, il est vraiment dans le orange. Et s'entraîner, modifier les jeux. Donc, je peux modifier les jeux. Là, je vais pirater. Fonds d'investissement Lotario. Je peux voler sur son beau-père. Excellent. Elle a besoin d'aller aux toilettes et de manger un repas. Mon PC est cassé. Attendez, je vais le réparer, il me faut de la mécanique de toute façon. Non, tu le répares, je m'en fiche. Allez, répare-moi ça. C'est bien, Adrien. Ah, attendez, il serait pas geek, sinon. On va chercher des pièces au cas où pour l'amélioration. Et rejeter tout ça. Oula, j'ai à peine fait ça que je suis déjà dans la mouise. Bon, c'est pas grave. On va aller aux toilettes. Et on va manger notre bol de céréales. Ouais, bah attends, Don. De toute façon, je vais te pirater. Je l'ai piraté en fait, ça a fonctionné ou pas? Non, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais reprogrammer, pirater, fonds d'investissement Lotario. Voilà. Comme ça, on va voir combien je peux en tirer. Normalement, ça doit lui faire de la distraction. Même pas. Bah, bravo. Voilà, là c'est quand même plus intéressant que lorsqu'il était enfant, hein, dans le sens que voilà, là, 120 Simflouz, ah, ça c'est pas mal, fais-nous gagner des sous. Non, c'est vraiment, je préfère, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait évoluer, pour avoir beaucoup plus d'action geek, on va dire, enfin surtout informatique, c'est, je pense que c'était préférable. Surfer sur le web. Ouais, vas-y, surf. Je vais appeler... Ah non, il a déjà besoin de dormir. C'est sérieux. Et je vais appeler Alexandra Alexandri, tiens. Voilà. Invité à venir. Ici, il est où, le Don? Elle est partie travailler. Mince, j'avais pas vu. Vendre un collectionneur. Il vend les tableaux de sa future femme, quoi. Truc de dingue. Sans lui demander. Allez ici, quitte ça. Elle est pas bien. Elle est en colère. Prévoir de vendre les... Essayez de calmer. Ah non, ça a pas marché, mais bon, j'ai essayé. Elle a pas envie. Mais non, je suis en train de perdre tous mes points. Mais pourquoi t'es en colère? Moi, je suis obligé de recommencer finalement.
Voilà. Donc on repart sur de bonnes bases. Elle a l'air qu'elle est plus en colère. Elle est même heureuse maintenant, donc on va pouvoir reflirter. Je crois que je suis dans la mouise. Elle veut pas de mon petit Adria. Fais se rattraper, Adria, vas-y. C'est bon, il s'est rattrapé. En même temps, c'était quoi le truc, voilà. Connexion profonde, nouer des liens solides avec d'autres Sims rend heureux. Ah ouais, non, je veux rien avoir avec ça. Moi, j'ai cru, mais non. Bah vas-y, servir le dîner. Haricots saucisses. Allez, Adrien, fais-nous des haricots saucisses. Ah, mais c'est bien, elle range son massacre. Promis au poste. Ah, aquarelliste amatrice, ça c'est bien. Pauvre Adrien. Non, mais elle se sent plus. Hein. Elle se sent plus. Non, mais sérieux, quoi. Attendez, je vais appeler parce qu'elle va prendre un petit congé de... je peux pas le prendre. Prendre des vacances. Trouver un emploi démissionné. Je peux pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'abord. Non mais je sais pas s'il va s'en sortir avec. Hein. J'espère qu'ils vont pouvoir... comment dire... sortir ensemble. Tout naturellement. Mais là, il n'y a pas l'air que ça fonctionne bien entre eux. Hein. Pourtant, petit, j'ai cru que c'était bon, mais là, non. On est bons amis. Mais bon. On verra. Étape terminée. Adria, pour apprendre l'inspiration génie. Hein? Atteint le niveau 3 de la compétence programmation. Posséder un appareil électronique. Ouais, bah, fait dodo. On retentera le dimanche. Céline Jolie m'appelle. Tu t'appelles Émilie Jolie. Le Don est de retour. Alors lui, il doit être tout mort aussi. Quoique moins. Bon, allez, il va se poser devant la télé. Et comme ça, le Don. Non, je réponds pas. C'est pas qu'il a pas envie d'aller à une fête, hein, mais c'est... C'est juste qu'il est tout mort, donc ça sert à rien que j'y aille pour qu'il tombe 2 secondes après de sommeil. Jessie peut désormais prendre un congé pour... Ah bah voilà. Ça y est, ils peuvent prendre des congés, ça c'est nickel. C'est moi, je me demandais. Voilà, et elle... Voilà. Je sais pas si je peux, tiens, c'est peut-être le cas. Si elle est enceinte, qu'elle va accoucher, on peut aller à l'hôpital et voir son opération. Bah j'espère que ouais, bah, on me dit oui dans l'oreille. Ah bah dans ce cas, ce serait pas mal de voir ça, tiens, parce qu'elle va bientôt accoucher à mon avis. Ou alors pas de suite, mais en tout cas c'est prévu. C'est prévu pour bientôt. Son troisième trimestre, elle aurait dû l'avoir. Troisième trimestre, cette sim arrive presque à terme. Ah ouais, son ventre. Il a méga grossi. Oh, je vous jure. Adrien, tu pues. Et c'est vrai en plus. Et elle va squatter l'ordinateur. Ou lui. Vous imaginez, vous marchez comme ça pour aller aux toilettes, vous? Bon chance. Ah mais je me poserai des questions si je marche comme ça pour quand je vais aux toilettes.
Bon, bah alors, dans ces cas-là, lui, il nous fait quoi? Bah, oh ouais, mais son hygiène, elle part vite. À chaque fois, il se retrouve dans le lit, mais il sent, c'est bizarre, hein? Il a un problème, je trouve, Adrien. Il doit avoir un problème. Je sais pas quoi, mais. Allez, hop. Ah, ça commence à devenir urgent. Ouais, il va aller manger. Il va aller. Non, pas cuisiner. Il va aller prendre un petit. Bon, en tout cas, il s'est pris un gros râteau, hein. Mince. Pourquoi il va regarder la télé? J'arrive plus à contrôler mon Sims! Hop, des céréales. Allez, mange un peu de céréales. On va faire un peu de programmation. Bon, je sais pas s'il va réussir. En tout cas, mes gens, c'est ici qu'on va se quitter. Bah écoutez, on va retenter notre chance dans les prochains épisodes pour draguer notre petite Alexandra Alexandrie. Notre petite maman va bientôt accoucher. Elle est à terme, hein. Attendez, je vais revérifier tout ça. Ouais, normalement, voilà. Enceinte, troisième trimestre, accouchement dans on ne sait pas, mais c'est pour bientôt. Normalement, on verra l'accouchement. Donc ce sera peut-être dans l'épisode 14, justement. C'est pour ça que je coupe maintenant. Parce que si je continue, j'ai peur que l'accouchement arrive. Et là, clairement, l'épisode se nommera bah, le râteau d'Adrien. Il s'est pris un gros râteau, le petit. Il s'est rattrapé, mais il s'est pris un râteau. Enfin, en tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!